Eh bien, salut les amis, c'est Albert Bion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Last Day en Earth avec la mise à jour de la ferme. Donc là, j'ai déjà pas mal rush au niveau de toute la zone. Alors, j'ai quasiment tué aucun géant. Tous les géants vont être là. Le petit taureau est là aussi. Et en fait, j'ai réussi. Donc, sans quasiment tuer personne. Oh non, 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 non. Alors, ça, par contre, là, ça pue. Là, ça pue. Donc, effectivement, quand le destructeur vous touche, c'est jamais très très bon, puisque quand il vous fait un dégât, il vous ralentit à mort. Donc là, il faut faire hyper gaffe. Donc le destructeur, je vous conseille d'essayer de le tuer, on va dire, le plus rapidement possible, ou bien. Donc là, on lui a fait 70 de dégâts. Après, il est relativement long, le destructeur. Quand il... Ouf! Il y a le taureau. Oh là, il y a tout ce monde-là. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de leur balancer un petit coup. Oh là 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 là, cours, 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 cours. J'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir. Surtout là, si je me prends une stékos. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ok, c'est bon. Oui, il y en a un deuxième qui est là. Le coup magnifique. On va essayer de leur mettre un deuxième coup comme ça. Et à mon avis, il y a de fortes chances qu'ils clament tous. Oh, ça a fait des chocs à pic. Alors lui par contre il est hyper relou ce con. Il est hyper relou parce qu'à chaque fois il vous ralentit à mort. Après l'autre il est relativement facile à tuer. Oh il y a des pilleurs qui débarquent quand même aussi. C'est quoi cette quête là? Mais parlez-vous de là? Ok ça c'est bon. On a réussi à le gérer. Bon, par contre, le destructeur, là, faut qu'on arrive à en venir à bout. Hein. Voilà, ça c'est bon. Donc, eux, ils sont cuits. Oh non, pas le taureau, pas le taureau, pas le taureau, pas le taureau. Il me fait mal au cul, il me fait mal au cul quand même. Alors, attends, on va peut-être essayer. Cours, Robert, cours. Voilà, super. Il se met à courir, donc ça c'est très bien. On va juste essayer de faire mal au gros là. Donc en fait, je pense que le meilleur moyen, ce serait quand même de s'occuper du coup tout seul du destructeur à pointe, parce que lui, il vous ralentit quand même pas mal cet enfoiré. Il vous ralentit quand même pas mal. Alors, allez, on se dépêche, on se dépêche. Voilà, 32, il est quasiment mort, super. On va récupérer ce que les raiders avaient sur eux, ça va peut-être nous permettre. Très bien, et lui du coup Robert, il avait également une petite combi. Il avait également une petite combi, le taureau infecté, on va le laisser où il est le taureau infecté. Le deuxième taureau infecté, on le laisse également où il est. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai ça. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, on va juste aller voir. Bah, je sais pas où il est parti le destructeur à pointe. Je sais pas du tout où il est parti le destructeur à pointe. On va essayer de récupérer vraiment. Oh là 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 là. Alors, tagalac, tagalac, tagalac. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, on s'en balèque. Ça, c'est mort. Donc là, le taureau infecté, il est là. On a encore une autre zone ici. Oh, mais c'est vraiment topissime. C'est vraiment topissime. Donc lui, du coup, une fois qu'il vous a craché dessus, on va dire après, il est relativement lent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On récupère le petit chiot. On va taper ici. Le gros va quand même pas tarder à arriver, je pense. Il nous a pas vu. Il nous a pas vu le destructeur à pointe. Une fois qu'il vous a bien craché dessus, eh bien, il ne vous approche moins. Alors c'est bizarre parce que tout à l'heure, il commençait quand même à courir. Alors peut-être qu'il vous crache 3 fois dessus. Alors il m'a craché à peu près 3 ou 4 fois dessus. Peut-être qu'à un certain moment. Peut-être qu'à un certain moment, en fait, il arrête peut-être de vous poursuivre. Ça sera à examiner, on va dire, cette petite hypothèse. Et honnêtement, si c'est le cas, ça serait plutôt cool. Ça éviterait quand même de le tuer. Donc, ce qu'il faudrait, ça serait bah, de tuer tout le monde.
Alors là, ce que je vais faire, je vais juste ramener le plus de choses possible à mon chopper. On va bien se rhabiller comme il faut. Parce que. Alors attendez. Allez, come on, baby, come on, come on, come on. Mais c'est vrai qu'avec le mi-corps, c'est quand même pas mal. Le petit lance-croquette là, ça fait d'énormes dégâts. Donc là, on va. Bon, déjà, on va savoir quoi, on va l'ouvrir. Ça va permettre de gagner du temps. On va garder ça. Ça, bien évidemment. Ça aussi. Le mi-corps, j'en ai plus trop besoin. Au niveau de mes vêtements, bon, ça, on va le virer. Ça, on le garde. Très bien. On va se nourrir un petit peu. Donc là, on va remonter. On a quasiment. Oh, on a récupéré du coup les dégâts. Putain, la vache, il me fait mal quand il me tape cet enfoiré. Le destructeur, il est là, mais on s'en balèque un peu. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. En sachant qu'en plus, il faut faire la maison, mais je sais pas si je vais avoir le timing de pouvoir tout faire. Donc là, à droite, on a tout checké. Ici, donc nous avons le bouquin, donc qui est plutôt intéressant. On va récupérer ça, la montre. Ça, c'est tout neuf. Ok, très bien. On va aller regarder dans la cabane à oh, dans la maison, puisque du coup, je suis bien équipé. Donc là, on peut rentrer. Il suffit juste d'appuyer ici. Super. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, allez, allez. Ok, il y a juste de la glu. Il y a juste de la glu. Et non, et là, le gros va me poutrer. Oh là 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 là. Bon, je crois du coup, je vais rester là parce que là, il commence à recourir. Alors, pourquoi il recourt? J'en ai strictement aucune idée de pourquoi Robert court. J'en ai strictement aucune idée. Mais là, en tout cas, il redevient lent. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais en attendant, on a quand même tapé les gros lards au lance-roquettes. Et ça, c'était plutôt sympa. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao, ciao, les amis.